Bienvenue, welcome à Cannes Festival, Art Infusion TV, en direct du Majestic et pour le Palais des Festivals. Alors, chers amis, pouvez-vous nous parler un petit peu de vous, notamment pour les étrangers, parce que donc en France, tout le monde vous connaît, mais à l'étranger, effectivement, vous êtes un peu des martiens, c'est le cas de le dire. Mm-hmm. Ça nous rappellera une certaine émission. Alors justement, nos amis anglais me posaient beaucoup de questions à votre sujet, et je leur expliquais que vous étiez un petit peu des sommités, à la fois surréalistes et à la fois cosmiques. Alors comment pourriez-vous un petit peu nous parler de tous ces travaux que vous avez fait ces dernières années, notamment sur le plan national? Alors, en fait, Igor et moi-même, nous sommes jumeaux et nous avons la chance, comme tous les frères jumeaux, de nous entendre extrêmement bien et de travailler ensemble de manière productive dans le secteur qui est le nôtre, c'est-à-dire essentiellement la science et l'élargissement du savoir scientifique à travers des émissions à caractère scientifique. Ce que nous produisons, ce sont à la fois des magazines, mais depuis un an, des séries qui sont dans le secteur de la science, fiction ou de la fiction scientifique. Et notamment, nous avons deux séries en préparation, une qui est en animation pure, qui est destinée au très jeune public, 9, 10, 11, 12 ans, d'initiation aux merveilles, aux mystères, justement, du monde d'aujourd'hui et de demain, dans un vaisseau spatial, comme nous sommes souvent avec les combinaisons, et nous sommes représentés en animation 3D. La série s'installe à travers nos personnages dans le mystère et nous fait voyager. C'est un voyage où à chaque épisode il y a une découverte sur un thème et bien entendu elle s'appelle Igor et Grichka. Nous sommes représentés à l'âge de 14 ans, donc tout jeune en animation. Et comme la série est très spectaculaire, elle nous entraîne évidemment vers des sommets. Et nous sommes de ce point de vue-là heureux de partager avec les enfants qui eux s'émerveillent toujours, qui eux ont toujours besoin de connaître un petit peu plus le monde dans lequel ils vivent et notamment celui de demain, et nous apportons des réponses extrêmement simples à des questions parfois un peu plus compliquées. Fantastique. Alors, pour le public étranger, britannique, américain, comment peuvent-ils vous découvrir? Ils peuvent nous découvrir de deux manières, soit à travers des films d'animation ou la 3D, puisque nous allons synthétiser nos images en trois dimensions et utiliser évidemment des avatars, comme on le fait parce que c'est de plus en plus souple du point de vue de l'utilisation des effets spéciaux. Nous aimons, Igor et moi, nous projeter, comme on l'a fait dans nos émissions dans Temps X, dans un cadre où tout est possible. D'ailleurs, dans nos émissions sur France 2, on terminait à chaque fois sur Rayon X dans l'univers et dans l'avenir, rien n'est impossible. Donc il faut donner au possible toutes ces chances. C'est ce que nous allons faire à travers la 3D et les effets spéciaux. Et puis aussi à travers des émissions événementielles et même magazines, on va nous retrouver nous-mêmes. Et je vais donner un scoop pour justement nos amis qui nous regardent. Le scoop en question, vous êtes les premiers à le savoir. D'ailleurs, ça s'est décidé il y a quelques jours à Cannes, dans un cadre qui est encore confidentiel, mais qui justement devient public. Nous allons relancer, à partir du mois de septembre, l'émission titre que nous avons produite sur TF1 pendant 10 ans. 10 ans. Et 10 ans, qui était donc intitulé Temps X, qui était un grand voyage vers l'avenir, vers la science, vers l'imaginaire aussi, vers le rêve. Et nous allons relancer donc Temps X de deux manières. D'une manière classique sur des réseaux, et le réseau qui va l'accueillir sera vraisemblablement France Télévisions, probablement France 2, mais aussi d'une manière délinéarisée. C'est-à-dire, comme on consomme aujourd'hui, surtout les jeunes consomment évidemment à la demande à travers des séquences qu'ils choisissent sur Internet, donc sur YouTube. Et nous allons donc créer la version délinéarisée sur YouTube. Là, on nous retrouvera aussi avec la combinaison spatiale et dans un cadre qui sera très voyageur. Fantastique départ. La question était, qu'est-ce qui vous a influencé dès le départ dans tout ce cheminement, mais je crois savoir que vous avez côtoyé Salvador Dali, et j'ai lu dans des écrits que vous étiez les jumeaux d'Dali, vous étiez un peu les jumeaux de Dali à une certaine époque, au tout début, dans votre jeunesse, et ça serait intéressant aussi d'en parler. En fait, nous sommes, Igor et moi, marqués par le territoire coloré, graphique, et l'imagination extraordinaire de ce grand maître surréaliste, ce grand maître de la peinture qui était Dali. Nous avons d'ailleurs un background qui va dans ce sens, puisque papa
est peintre, donc il a déjà... Bon, oui, papa... En plus, il y a un deuxième facteur qui nous rapproche de Dali, c'est que papa a été élevé en Espagne. Il a été recueilli par un prince russe, le prince, un prince géorgien exactement, le prince Irakli Bagration, le descendant en fait du vainqueur de la campagne de 1812, donc dans la campagne de Russie, le vainqueur de Napoléon, qui était donc un prince général Bagration. Son descendant a recueilli papa. Et donc, papa a été élevé en Espagne et a fait les beaux-arts en Espagne, a passé toute sa jeunesse au Prado. Donc, voilà, il était déjà complètement pris dans ce grand courant. Il a eu la chance lui-même de rencontrer Dali. Ouais. Donc, c'était évidemment incontournable pour nous de le rencontrer à notre tour. Ce qui s'est fait dans le cadre d'un ouvrage que nous avons dédicacé justement à la science-fiction, qui est un ouvrage rare. Du point de vue, en tout cas pour nous, de la qualité des intervenants, d'un ouvrage où nous avons interviewé un certain nombre de grandes personnalités, dont Salvador Dali, avec lequel nous avons passé deux jours à l'hôtel Meurice. Nous y avons rencontré, bien entendu, Gala, son épouse, et nous avons eu des moments inoubliables avec le maître, qui nous a tout de suite, perçu, cadré. Il nous a vus dans ce double improbable que nous représentons. J'ai des écrits où il parle de jumeaux et j'ai tout de suite pensé à vous. Oui, je pense, qu'on l'a marqué parce qu'il y a même un certain nombre de représentations qui ont été consécutives dans sa peinture à des personnages extrêmement semblables, même étrangement semblables, et qui nous ressemblent, qui sont des jumeaux, véritablement, et je pense que c'est un clin d'œil lointain, mais réel, à la rencontre que nous avons faite avec ce grand maître. Ah ben alors, écoutez, ça, c'est vraiment un très beau scoop pour Art Infusion TV. Alors, la question aussi, comment peut-on vous localiser? C'est-à-dire que je crois savoir que vous êtes sur Paris, mais les étrangers, voilà, en fin de compte, c'est surtout à l'international maintenant qu'il faut vous développer, et donc votre base... Nous sommes en effet avec une base Île-de-France-Paris, mais nous voyageons de plus en plus. Oui. Et en effet, nous localiser, c'est suivre un peu nos trajectoires. D'abord en Russie, parce que nous sommes revenus sur le territoire russe pour y retrouver des racines qui sont lointaines, parce que nous descendons d'une famille princière russe qui évidemment nous a amené à nous interroger, à rencontrer un certain nombre de gens qui ont pu connaître, etc. Donc ça, c'est la première chose. Mais ensuite, on développe avec eux, avec les Russes, un certain nombre de produits, dont deux grandes séries, dont une qui s'appelle Le Visage de Dieu, et qui est une série sur la conquête de la théorie du Big Bang, que nous connaissons très bien, puisque nous avons fait des thèses de doctorat sur le sujet. Donc nous avons là, en Russie, un ancrage. Et puis aussi les États-Unis, bien sûr, et aussi la Chine, et aussi les pays du Moyen-Orient, proche et Moyen-Orient. Et en particulier, nous passons beaucoup de temps au sultanat d'Oman. Nous en revenons. Là, nous sommes en train de développer avec le sultanat d'Oman beaucoup de choses dans le domaine des transferts des technologies, mais aussi des collaborations sur le plan audiovisuel pour montrer évidemment que la tradition dans ce grand pays peut également déboucher sur la modernité, sur le renouvellement et sur des exploits de nature scientifique et technologique qui, évidemment, forcent notre admiration et que nous allons partager. Fantastique. Alors, pour conclure, pour tous nos amis britanniques, donc on peut vous retrouver donc sur YouTube. Oui. Et on nous retrouvera sur YouTube en deux versions, une version française et une version anglaise. Fantastique. Donc, we say hello for the future, a next future. And we are very, very happy to welcome many, many things to come with you. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour Art Infusion, pour le public britannique, les frères surréalistes, les frères Bogdanov, les incontournables et les intemporels. Merci à vous. Merci. Merci.